Ça n'était que la première balle perdue, mais quand même, Alex Chasson, oh, qui ne va pas revenir. Ils sont à 5 contre 4, là, Chasson qui se manque. Et la claquette assurée par William Snaras. Que son tir n'était pas bon. Jones qui va encore s'essayer. Et cette fois-ci, il va réussir. Devante Jones. Loin du cercle. Beaufort, où il y a donc à rouler. Beaufort finalement va revenir encore une fois en arrière. Et ben on a bien fixé pour aller chercher Danilo Nikolic du CSP. Oh, la passe à terre, elle est quasiment arrêtée. Abdou Endoy pour Wilfried Egueté. William Howard. Voilà, ça c'est sa distance à William Howard. Interception de Beaufort. Beaufort qui trouve Nikolic. Et on lui pique le ballon dans les mains. Avec William Howard, le décalage vers Trevor Hudgins. Il y avait du rythme sur la transition. Un joueur du CSP qui a touché. J'ai plutôt l'impression que c'est. Ouais, voilà, on a bien accordé. C'est bien un joueur du Mans qui est venu intervenir sur le panier. On va démonter Jones. Trop rapide. Qui arrive proche de la barre des 50 pions. Oh la passe. Oh la passe de Nemanja Nenadić. Regardez-moi ça. Entre deux joueurs dans le dos. William Howard. Cette fois-ci, il va passer son ballon. On va trouver William Snaras. Avec ce tir à 3 points dans le coin de Nikolic. Oh, il va tout péter! William Snaras! Oh, personne ne l'a suivi! Appleby qui se décale. On retrouve McGusty. McGusty dessous. Oh, la coupe parfaite de Nikolic, mais qui manque le dunk, qui lui a manqué. Allez, Tyree Appleby. Cameron McGusty qui est passé, qui fait le tour de Devante Jones avant de poser ce ballon dans le cercle. 10 points. 10 points, ils ont fait la moitié du chemin. Les joueurs du CSP. Paganapic qui va en remettre un peu plus. Tyree Appleby sanctionné. Wendoy dans le coin. Léopold Delaunay sans hésiter. Appleby qui vient chercher une possession supplémentaire et qui vient surtout. Jeans. Il voit que ça. Il voit que ça. La seule solution, c'est le tir de bas. William Howard. De Becker met un. Des monceaux. Pour la dernière à Antares de la saison. Le Mans ira à Dijon avec un mini espoir. Peut-être de faire les playoffs. On va faire les calculs.